Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Ingan, j'ai 26 ans et je suis en dernière année de doctorat en sociologie. Je suis une personne très perfectionniste, mais aussi très assidue et rigoureuse, et ces compétences, je les dois à mon activité bénévole, puisque je suis un entraîneur bénévole de gymnastique depuis plus de 10 ans. Pourquoi de la gymnastique? Pourquoi le sport? Eh bien, c'est un univers que je côtoie depuis que je suis toute petite. Et donc, une question est venue à moi. Après un master en management des organisations sportives, je me suis alors demandé, est-ce qu'un travailleur en situation de handicap, mais sportif, avait autant de chances de réussite et de s'insérer professionnellement qu'un travailleur sportif, mais valide? Eh bien, cette question, c'est le leitmotiv de ma thèse. Et pour y répondre, eh bien, je me suis entretenue avec 60 travailleurs handicapés et sportifs issus d'une grande entreprise du CAC 40 afin de trouver cette réponse. À l'issue de ces entretiens, il est devenu évident que ces travailleurs sportifs handicapés possèdent des qualités humaines, des qualités organisationnelles et de vraies compétences intellectuelles. Et concernant leurs aptitudes, eh bien oui, durant leur pratique sportive, qu'elle soit occasionnelle, qu'elle soit journalière ou hebdomadaire, ces travailleurs sportifs handicapés ont acquis des aptitudes. Et ces aptitudes, eh bien, elles sont transposables dans le monde de l'entreprise français. Et ces aptitudes sont telles que l'autonomie, l'abnégation, la persévérance, savoir se donner des objectifs et surtout savoir aller au bout de ces objectifs. En conclusion de mes résultats, il est devenu évident que les travailleurs sportifs handicapés sont une valeur ajoutée à l'entreprise et un vrai atout pour leurs collègues, leurs managers et leur hiérarchie. Mon projet professionnel s'insérerait sans doute dans une entreprise française afin de développer, d'enrichir ou de mettre en place une mission handicap. Et mon travail aurait 3 objectifs. Le premier serait de diminuer la contribution financière des entreprises françaises. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 11 février 2005, les entreprises de plus de 20 salariés ont nécessairement l'obligation d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Eh bien, mon rôle serait de diminuer cette contribution financière. Mon deuxième objectif, donner une bonne image de l'entreprise, véhiculer une bonne image autour de l'handicap et de la communication externe. Et un dernier objectif serait de faire gagner l'entreprise en termes de prouesse, de compétitivité et de performance en employant des personnes en situation de handicap. Mon travail serait sans doute bénéfique pour l'entreprise et bénéfique pour la société dans sa globalité. Je vous remercie de votre attention.